Et Jaïs César, Gary Koni, on est là, qu'on a jet, même en Claude Joseph. Sauf qu'il a nous connu. Hey! Oh! Ouais, hey, c'était Goulombe! Hey! Ça dit là! Allez, nous qu'on dit là encore. Pas mal d'ouvrir, mon frère. Là, Claude Joseph dit Gary Koni ça, Gary Koni, on est là, qu'on a jet, maman. Claude Joseph. Mais oui, pile. Agoni entre tout ton gagnant maman Claude Joseph. Monsieur, dans le fier maman. Monsieur sur question Benzia. Moi Charles de là, Moi Charles va dire why. Qui s'est passé hier soir? Bon dossier là dans pays là. Moi c'est le très important pour nous connaître. C'est le dossier de BNC, également le dossier de Lona. Ça dossier BNC aïe. Eh bien, ce dossier BNC, ça, je dis, qui mettait une certaine division au sein du Conseil présidentiel de transition et division entre certains membres du CPT avec le Premier ministre Gary Koni. Mm. Et ça fait que matin, on m'a dit que à qui profite cette mésentente, bon, mésentente, sous dossier BNC. Qui s'est passé? Et m'a dit, messieurs, dames, CPT, parce qu'aucun de nous-mêmes là, qui prend l'argent dans le secteur privé et que le pays n'a pas connu. Parce que monsieur le secteur privé, il n'a pas fait sentiment avec personne. Il n'a pas l'adore. Il radote. Il est là pour l'argent, il est là pour l'intérêt. <yo. laughs> Donc si on fait business avant, si on fait politique avant, politique là basé sur l'argent, vous acceptez de prendre l'argent dans le main, il faut que vous délivrez. Dossier bien ça, Gisali. Vous écoutez, matin débat. Go hôtel dans Pétionville. Je vais citer nos hôtels là matin. Hein. Parce que je crois que c'est nécessaire. Go hôtel dans Pétionville, qui gagne la donne plusieurs actionnaires du secteur privé. Hôtel ça boule de fête, sont prêts qui te fait dans BNC. Et même hôtel ça tout, gon parti dans l'argent pour te faire hôtel là. Je t'ai prêté comme là dans l'ONA, on a parlé de 1 million de dollars. Maintenant, moun qui s'actionnaire dans hôtel ça, c'est des moun qui dans le secteur privé. Et yo très influent. Comprenez mieux ça, on me dit le matin, hein, pour comprendre la réalité du pays, je dis à madame, monsieur. Ok? Donc, toute bataille qui gagne un pouvoir dans le pays d'Haïti, son bataille d'influence, son bataille d'intérêt. Maintenant, actionnaires font prendre ou non pour hôtel ça, 1 million de dollars, et puis ils jouent sur influence politique, ils fait que on a vin actionnaire dans l'hôtel là. Donc, au lieu que vous ayez mettre l'argent avec intérêt à l'ONA, ok? Ils jouent sur influence politique, il fait que on a qu'on y a vu actionnaire dans l'hôtel là. Et ben c'est même bagarre monsieur vous fait avec le BNC. Yo prêté plusieurs millions de dollars dans même BNC, OK? Et puis depuis là yo fin prêter cob là pour hôtel là dans même BNC. Yo goumé, il y a goumé et César Gladimio, il y a goumé pour BNC qu'on y a converti prêt en action dans l'hôtel là. Yes, yes, yes. Et c'est ça qu'il faut, ouais, que dernier conseil BNC, dernier conseil d'administration BNC, il revoque tout net, parce que justement, dernier conseil, ça, pas d'accord, machine en logique là. Il joue sur influence politique, il révoque le conseil guidé là. Parce que le conseil guidé là, pas d'accord, marché en logique pour BNC, vine actionner dans l'hôtel ça, donc dans Pétionville. Et bien, c'est ça qui a passé là. Qui ça qui est là? Dans le moment là, pendant la parole là. Il y a des actionnaires qui sont dans l'hôtel là. Il y a des gens qui sont dans le secteur privé, qui sont actionnaires dans l'hôtel là, qui financent des membres du conseil présidentiel de transition. Ah ouais? Il y a des copies dehors. Qu'on a mis pression sur certains membres du conseil présidentiel pour mettre pression sur Gary Koni pour changer parce que ils voulaient mettre le conseil par eux pour arriver à atteindre l'objectif pour prêt que vous gagnez dans le BNCA. Pour presse à l'y convertir en action dans l'hôtel là, mais toute bataille là. Malheureusement, où je Claude Joseph dans la bataille ça. Ça qui passe hier soir. Hier soir, on a réunion, la caille, ancien sénateur Gérard Jules et conseiller présidentiel. Gary Koni comme premier ministre, il était présent. Claude Joseph était présent. Moi, Jean-Charles était là. Et puis, Zimpété sur question ça. Et Gary Koni, il est là. Dans le nouveau blend là, Gary Koni dit, pas de bagaille comme ça. Yes! Hey! Comme ça même? Claude Joseph, attendez. Gary Koni dit par là qu'on s'appuie, yes. Si qu'on va qui vous faites la fête selon les normes. Oui. Si qu'on changement qu'a fait la fête selon les normes. Et si changement a gagné, faut qu'on raison clair, ok? Pour changement ça capable de faire. Parce que jusqu'à présent, selon Gary Koni, il n'y a aucun problème avec le conseil actuel. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La Banque nationale du crédit, madame, monsieur. Il n'y a aucun problème. De pourquoi changer ce conseil? Pourquoi cette velléité pour changer ce conseil de la Banque Nationale de Crédit. Claude Joseph campé en face Gary Koni. Claude Joseph menacé Gary Koni. Menacé même, oui, Louko. Attends, qui est-ce que tu as dit? Hey! Claude
Claude Joseph menace Gary Conny. Claude Joseph dit Gary Conny, il va le goumer pour le jeter comme premier ministre. À qui force? Lui jeter président, lui jeter premier ministre déjà. Président, oui. Et ça, c'est ça. Gary Conny est en train de se faire. Claude Joseph. Sorti dans nous, connais-tu? Oh! C'était gros l'obéi! Ça dit là! Allez, nous aurions dit encore! Pas mal de mal, mon frère! Là, Claude Joseph dit Gary Conny ça! Gary Conny est en train de se faire un maman! Claude Joseph! Oui! Bagaille en pile! Gary Conny est en train de se faire tout ton gagnant maman! Claude Joseph! Dans le film maman! Monsieur, sur question Benzia! Moïse Charles de là! Moïse Charles va dire why! Qui s'est passé hier soir? Bon dossier là dans le pays, moi c'est le très important pour nous connaître. C'est le dossier de BNC, également le dossier de l'ONA. Ça, dossier BNC, aïe. Eh bien, ce dossier BNC, ça, je dis, qui mettait une certaine division au sein du conseil présidentiel de transition et division entre certains membres du CPT avec le premier ministre Gary Conny. Et ça fait que matin, on m'a dit que à qui profite cette mésentente, bon, mésentente sous dossier BNC. Qui s'est passé? Et me dit, messieurs, dames, CPT, yo. Parce qu'aucun de nous-mêmes, là, qui prend l'argent dans le secteur privé et que le pays n'a pas connu. Parce que monsieur secteur privé, il n'y a pas fait sentiment avec personne. Il n'y a pas l'adore. Il radote. Il est là pour l'argent, il est là pour l'intérêt. Yo. Donc, si on fait business avant, si on fait politique avant, politique là, le basé sous l'argent, accepter de prendre l'argent dans le main, il faut que vous délivrez. Dossier bien, ça, Gisali, madame. Vous écoutez, matin débat. Go hôtel dans Pétionville. Je vais citer nos hôtels là matin, hein, parce que je ne crois que c'est nécessaire. Go hôtel dans Pétionville, qui gagne la donne plusieurs actionnaires du secteur privé. Hôtel ça vous le fait, sont prêts qui te fait dans BNC. Et même hôtel ça tout, vous partez dans l'argent pour te faire hôtel là. Vous t'avez prêté comme là dans l'ONA, on a parlé de 1 million de dollars. Maintenant, les gens qui s'actionnent dans hôtel ça, c'est des gens qui sont dans le secteur privé. Là. Et yo très influent. Comprenez mieux ça, m'a dit le matin, oui, pour comprendre la réalité pays, je dis à madame, monsieur. Ok? Donc, toute bataille qui gagne dans le pouvoir dans le pays d'Haïti, son bataille d'influence, son bataille d'intérêt. Maintenant, actionnaires font prendre ou non pour hôtel ça, 1 million de dollars, et puis ils jouent sur influence politique, ils font que on a vin actionnaire dans l'hôtel là. Donc, au lieu que vous allez mettre l'argent avec intérêt à l'ONA, ok? Ils jouent sur influence politique, il fait que on a qu'on y a vu un actionnaire dans l'hôtel là. Et ben c'est même bagarre monsieur fait avec le BNC. Il a prêté plusieurs millions de dollars dans même BNC, OK? Et puis depuis là, il a fait une prêter cob là pour hôtel là dans même BNC. Il a goumé, et c'est ça, Gladimio, il a goumé pour BNC qu'on y a converti prêt en action dans l'hôtel là. Yes, yes, yes. Et c'est ça qu'il faut, ouais, que dernier conseil BNC, dernier conseil d'administration BNC, il revoque tout net, parce que justement, dernier conseil, ça, pas d'accord, marché dans la logique là. Il a joué sur influence politique, il a révoqué conseil guidé là. Parce que conseil guidé là, pas d'accord, marché dans la logique où BNC vient actionner dans l'hôtel ça, donc dans Pétionville. Et bien, c'est ça qui a passé là. Qui ça qui là? Dans le moment là, pendant la parole là. Il y a actionnaires qui sont dans l'hôtel là, il y a des gens qui sont dans le secteur privé, qui sont actionnaires dans l'hôtel là, qui financent des membres du conseil présidentiel de transition. Ah ouais, il y a des copies dehors. Qu'on a mis pression sur certains membres du conseil présidentiel pour mettre pression sur Gary Conny pour changer parce que ils voulaient mettre le conseil par eux pour arriver à atteindre l'objectif pour prêt que vous gagnez dans le BNCA. Pour après ça, il convertit en action dans l'hôtel là, mais toute bataille là. Malheureusement, où je Claude Joseph dans la bataille ça. Ça qui passe hier soir. Hier soir, on a réunion, la caille, ancien sénateur Gérard Gilles et conseiller présidentiel. Gary Conny comme premier ministre, il était présent. Claude Joseph était présent. Moi, Jean-Charles était là. Et puis, Zimpété sur question ça. Et Gary Conny, il est là. Le nouveau blindé, là, n'a Gary Conny dit, pas de bagaille comme ça. Yes! Hey! Comme ça même? Claude Joseph, attendez. Gary Conny dit par là comme ça, puis yes. Si vous avez qui vous faites, la fête selon les normes. Oui. Si vous avez un changement qui a fait, la fête selon les normes. Et si changement a gagné, il faut qu'on raison claire, ok, pour changement ça capable de faire. Parce que jusqu'à présent, selon Gary Conny, il n'y a aucun problème avec le conseil actuel. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La Banque nationale du crédit, madame, monsieur. Il n'y a aucun problème. Donc pourquoi changer
ce conseil, pourquoi cette velléité pour changer ce conseil de la Banque Nationale de Crédit. Mm-hmm. Claude Joseph campé en face Guy Koni. Claude Joseph menacé Guy Koni. Menacé même, oui, Louko. Attends, qui est ma ou? Claude Joseph menace Guy Koni. Claude Joseph dit Guy Koni, il va le goumer pour le jeter comme Premier ministre. À qui force? Li jeter président, li jeter Premier ministre déjà. Président, oui. Et c'est ça. Guy Koni rentre dans la colonne qui est Claude Joseph. Sorti dans le coup de Dieu. Oh! C'était Goulombe! Ça dit là! Allez, nous aurions dit encore! Pas mal d'ouvrir, mon frère! Là, Claude Joseph dit Gaïe Koni ça! Gaïe Koni est entré dans la colonne guette, maman! Claude Joseph! Excusez-moi! Oui, lèle! Oui, bagaille en pile! Gaïe Koni est entré tout ton gagne, maman! Claude Joseph! Monsieur, dans le firmament! Monsieur, sur question, sous question Benzia! Moi, Charles de là! Moi, Charles va dire, oui! Qui s'est passé hier soir? Gros dossier là dans le pays, moi bon, c'est le très important pour nous. C'est le dossier de BNC, également le dossier de l'ONA. Ça, dossier BNC, aïe. Eh bien, ce dossier BNC, ça, je dis, qui mettait une certaine division au sein du conseil présidentiel de transition et division entre certains membres du CPT avec le Premier ministre Guy Koni. Et ça fait que matin, on m'a dit que à qui profite cette mésentente, bon, mésentente sous dossier BNC. Qui s'est passé? Et me dit, messieurs, dames, CPT, yo. Parce qu'aucun de nous-mêmes, là, qui prend l'argent dans le secteur privé et que le pays n'a pas connaît. Parce que monsieur secteur privé, il n'y a pas fait sentiment avec personne. Il n'y a pas l'ador. Il n'y a pas l'ador. Il y a là pour l'argent, il y a là pour l'intérêt. Donc, si on fait business avant, si on fait politique avant, politique là basé sur l'argent, accepter de prendre l'argent dans le main, il faut que vous délivrez. Dossier bien, ça, Gisali, madame. Vous écoutez, matin débat. Go hôtel dans Pétionville. Je ne vais pas citer nos hôtels là matin, hein, parce que je ne crois pas que c'est nécessaire. Go hôtel dans Pétionville, qui gagne la donne plusieurs actionnaires du secteur privé. Hôtel ça a été fait, sont prêts qui te fait dans BNC. Et même hôtel ça a tout, gon parti dans l'argent pour te faire hôtel là. Je t'ai répété comme là dans l'ONA, on a parlé de 1 million de dollars. Maintenant, les gens qui s'actionnaient dans hôtel ça, c'est des gens qui sont dans le secteur privé. Hein. Et yo très influent. Comment mieux ça m'a dit le matin, hein? Pour nous comprendre la réalité pays, je dis à madame, monsieur. Ok? Donc, toute bataille qui vient dans le pouvoir dans le pays d'Haïti, son bataille d'influence, son bataille d'intérêt. Maintenant, actionnaires font prendre ou non pour hôtel ça, 1 million de dollars, et puis yo jouent sur influence politique, yo fait que on a vu un actionnaire dans l'hôtel là. Donc, au lieu que yo mette l'argent avec intérêt à l'ONA, ok? Yo jouent sur influence politique, yo. Il fait que on a qu'on y a vu un actionnaire dans l'hôtel là. Eh ben c'est même bagarre monsieur vous faites avec le BNC. Ils ont prêté plusieurs millions de dollars dans même BNC, ok? Et puis depuis là ils ont fini prêter comme là pour l'hôtel là dans même BNC. Ils ont goumé, ils ont goumé. Et ça c'est ça, Gladimio. Ils ont goumé pour BNC qu'on y a converti prêt en action dans l'hôtel là. Yes. Et c'est ça qu'il faut ouais, que dernier conseil BNC, dernier conseil d'administration BNC, il revoque tout net parce que justement, dernier conseil, ça pas d'accord, machine logique là. Il joue sur influence politique, il révoque conseil guidé là. Parce que conseil guidé là, pas d'accord, machine logique pour BNC, vin actionner dans l'hôtel ça, donc dans Pétionville. Et bien c'est ça qui a passé là. Qui ça qui est là? Dans le moment là, pendant la parole là. Il y a actionnaires qui sont dans l'hôtel là, il y a des gens qui sont dans le secteur privé, qui sont actionnaires dans l'hôtel là, qui financent des membres du conseil présidentiel de transition. Ah ouais, il y a quelqu'un qui est dehors. Qu'on aille mettre pression sur certains membres du conseil présidentiel pour mettre pression sur Guy Koni pour changer parce que vous voulez mettre le conseil par eux pour arriver à atteindre l'objectif pour prêter au gain dans le BNCA. Pour après ça, il convertit en action dans l'hôtel là, mais toute bataille là. Malheureusement, on joint Claude Joseph dans la bataille ça. Ça qui passe hier soir. Hier soir, on a réunion la caille, ancien sénateur Gérard Gilles et conseiller présidentiel. Guy Koni comme premier ministre, il était présent. Claude Joseph était présent. Moi, Jean-Charles était là. Et puis, Zimpété sur question ça. Et Guy Koni. Résoudre. La nouveau blender. Guy Koni dit pas gain bagaille comme ça. Yes! Hey! Comme ça même? Claude Joseph, attendez. Gaïe Koni dit, bah, là, comme ça, puis yes. Si vous avez qui vous faites, la fête selon les normes. Oui.
Si qu'on changement qu'a fait, t'a fait selon un homme. Et si changement a gagné, faut qu'on raison claire, ok, pour changement ça capable fait. Parce que jusqu'à présent, selon Gaïgoni, il y a aucun problème avec le conseil actuel. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La Banque nationale du crédit, madame, monsieur. Il n'y a aucun problème. Donc, pourquoi changer ce conseil? Pourquoi cette velléité pour changer ce conseil de la Banque nationale du crédit? Claude Joseph campé en face Gaïgoni. Claude Joseph menacé Gaïgoni. Menacé même, oui, Louko. Attends, oh, oh. Qui est Baou? Claude Joseph menacé Gaïgoni. Claude Joseph dit Gaïgoni, il va le goumer pour le jeter. A qui force? Li jeter président, li jeter premier ministre déjà. Président, oui.